Bonjour Gloria, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? On bénit Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à Gloria. Tout le monde va bien? Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui pourront regarder le live en direct ou en différé. Vous savez actuellement que notre pays en ce moment, notre pays le Gabon est actuellement en mouvement dans la phase, si on peut dire l'avant-dernière phase, avant les élections présidentielles prévues en août 2025. Donc actuellement, les politiques sont debout, les gens sont debout, les associations et tous les regroupements humains sont debout pour faire une propagande autour du oui et du non. Concernant le référendum de décembre 2024. Le thème de mon live, comme vous l'avez certainement lu, c'est « On a compris ». C'est pas tant que c'est un réveil brutal, non, comme le pensons certainement d'autres personnes ou certaines personnes. C'est simplement que nous étions... On était petit, on a passé un temps dans les joies de la jeunesse et arrivé à un certain âge, il faut bien qu'on ouvre les yeux sur, qu'on ait le regard maintenant sur certaines choses qui concernent concrètement notre vie actuelle et la vie de nos petits-fils et de nos enfants. Je dis bien arrivé à un certain âge.
Quoique malgré que des gens atteignent un certain âge, un âge d'adulte, un âge de vieillesse, beaucoup également n'en prennent pas conscience. D'où d'ailleurs le thème de mon live qui est qu'on a véritablement compris. On avait déjà compris, on avait déjà ouvert les yeux, mais avec cette période de transition, avec cette période de transition, on a véritablement compris. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que je le dis. Béti ou bien, Mbolo, que Dieu te bénisse, sois béni, Béti. Simplice Ntemé, Respo, sois également béni, que Dieu veille sur toi, sur ta famille et sur toutes tes entreprises. Je suis autorité Fabrice Onvambé. Comme j'ai coutume de le dire, quand on est connecté, on partage. Parce que le message doit aller au plus profond du Gabon, à l'est, au nord, au sud et à l'ouest. Le message doit voyager. Il faut que ceux qui ont la connexion puissent écouter le message. Comme j'ai coutume de le dire, je n'aime pas me définir comme un activiste, mais j'aime me définir plutôt comme un homme de Dieu, plutôt comme un pasteur, plutôt comme un évangéliste, plutôt comme un influenceur positif, plutôt comme quelqu'un que Dieu utilise sa bouche pour trouver une bonne oreille et pour trouver un cœur disposé afin que ce message impacte et change la vie de quelqu'un de façon positive. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Et en tant que chrétiens, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est pourquoi, lorsque, conduit par le Saint-Esprit, j'ouvre mon téléphone, je viens dire simplement, décliner ma petite vérité. Cette petite vérité qui peut apporter la lumière dans le cœur de quelqu'un ou qui peut déclencher la lumière dans le cerveau de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. On partage de l'âme. On partage de l'âme. On va commencer. Nous sommes quatre. Je disais qu'on avait compris, en fait, tout simplement parce que on se rend compte effectivement que beaucoup de nombreux Gabonais n'aiment pas le Gabon. De nombreux Gabonais n'aiment pas le Gabon, mais de nombreux Gabonais aiment les richesses du Gabon. De nombreux Gabonais aiment ce que le Gabon peut leur procurer comme bien vivre, bien être. Mais la population gabonaise reste leur dernière préoccupation. Lorsqu'on regarde tout ce qui est dit autour de ce référendum qui pointe à l'horizon en 2025, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Et des clans naissent ici et là, des groupes se forment ici et là pour un objectif véritablement non dévoilé. Mais nous, on a compris. On a compris. Parce que lorsque tu essaies d'observer et de demeurer dans le sillon politique, tu regardes, tu essaies de porter un œil critique, tu essaies d'apporter un peu de lumière, tu te rends compte que, en vérité, que ce soit ceux qui étaient là avant, que ce soit ceux qui sont là maintenant, on est en droit de se poser la question véritablement si ces gens-là aiment le Gabon. Est-ce que ces gens-là aiment véritablement le Gabon? Moi, je l'ai toujours dit, peu importe, je l'ai toujours dit que le problème du Gabon, c'est pas tant
Ce n'est pas tant les lois. Un pays géré avec autant de cerveau, avec autant d'intelligence, avec autant d'intellectuels, les lois ont toujours été écrites. Quand on va me chercher, quand on va me parler de la Constitution de 1991, on va me parler de la Constitution, des autres constitutions, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce que l'homme lui-même il écrit, il n'est même pas en mesure de l'appliquer. C'est ce qui est dommage. Et donc, c'est à partir de là que c'est à partir de là que je viens dire ici là qu'en fait, en vérité, on a compris. Et on a compris, à un moment donné, on a même envie de dire aux gens, on a envie de leur dire que de toutes les façons, faites comme vous voulez. Parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on regarde, on se rend compte que il naît des guerres entre des familles, il naît des guerres aujourd'hui entre ethnies, ce qui ne devrait même pas être le cas, puisque nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans une période de transition, une transition qui avait été annoncée par le CTRI, par les militaires, comme étant l'étape par laquelle on ne doit pas voir renaître les partis politiques, que les institutions ont été mises à plat. Mais la transition n'est même pas encore finie, que les institutions, les instances politiques ont repris le pouvoir, aussi au vu de tout le monde. Au-delà même de cette charte qui a été pondu par le CTRI. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais qu'à cela ne tienne, je pouvais dire dans un de mes précédents lives que le président Brice Clotaire Oligingema reste un militaire. Et il y a un principe qui dit que tout ce que tu pourras dire devant un OPJ sera retenu contre toi-même. Il reste un militaire. Et que personne, en dehors de lui-même, ne connaît véritablement quelle est sa stratégie. Personne. Aujourd'hui, on a écrit une constitution qui sera présentée le 25 décembre pour que le peuple vote oui ou non selon que les uns et les autres choisissent que la constitution leur convient ou pas. Mais les hommes politiques ont détourné ça à la faveur du président Brice Clotaire-Oligingema, comme s'il était question d'aller voter le président général Brice Clotaire-Oligingema. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui est sûr, c'est que cette constitution, comme celle de 1991, convient aux uns et ne convient pas aux autres. Donc, de toutes les façons, le oui pourrait être. Le oui pourrait l'emporter et pas le non. C'est comme également le non pourrait l'emporter et pas le oui. Même si le non ne l'emporte pas, à supposer que le non ne l'emporte pas, on va reprendre cette constitution. Est-ce que c'est pour autant qu'on va apporter. Que le commun des Gabonais sera satisfait. Je ne pense pas, je ne crois même pas. Le commun des Gabonais ne sera jamais satisfait. Ceci pour dire on reviendra toujours à la même étape, à l'étape d'insatisfaction totale, parce que c'est aussi ça la loi de la nature. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pour moi, mon inquiétude, ce n'est pas tant la Constitution qu'on donne tout le pouvoir au président de la République ou pas. Parce que la fonction de président de la République, ce n'est pas la fonction d'un homme, ce n'est pas la fonction du président général Brice Clotaire-Oligingema qui est actuellement en ce poste. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. On a bien vu durant la magistrature du président Ali Bongo Ondimba, combien de fois
cette constitution a été violée. On l'a tous assisté. Tous les Gabonais ont assisté, pratiquement tous les deux mois ou par trimestre, la constitution était mise sur la table, elle était violée, aussi et au vu de tout le monde. Pourquoi? Simplement parce que l'Assemblée nationale, les députés de la majorité étaient plus nombreux. Donc, ils votaient tous oui de facto. Parce que le pays était géré par un parti politique qui avait à la tête de toutes les institutions et des administrations, les membres du parti politique. Et donc tout était en leur faveur. Mais au-delà de tout ça, on a compris que les mêmes Gabonais qui ont violé cette constitution plusieurs fois sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de brandir le oui et le non. Ce sont les mêmes Gabonais aujourd'hui qui font la cour au président général Biscotero Lingema. Et ce sont les mêmes Gabonais, que vous le vouliez ou pas, qui vont reprendre le pouvoir. Quelles sont leurs intentions derrière ça? Est-ce qu'ils aiment vraiment le Gabon? Est-ce qu'ils aiment vraiment la population gabonaise? That is the question. Le Gabonais aime beaucoup plus... Le Gabonais aime se contenter de son ventre, c'est la vérité. Le Gabonais aime se contenter, aime mettre sa famille personnelle à l'aise, c'est la vérité. Parce que tout ce qui se dit autour de cette constitution qui a été écrite, elle a été écrite, qu'on le veuille ou pas, avec plus de 1000 participants au dialogue national inclusif dans Ngondje. Donc ça voudrait dire que le Gabonais était représenté à ce dialogue. Le Gabonais était représenté. Et les Gabonais ont tous, par cette représentation, ils ont tous validé, ils ont été d'accord. Ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, c'est qu'on a compris et que il est inutile d'aller dans le sens de vouloir créer des tensions inutiles, des tensions qui vont encore venir apporter des malheurs, des tensions qui vont venir apporter des séparations dans des familles, au sein des amis, au sein de plusieurs regroupements humains. Nous devons être objectifs et nous dire que ce n'est ni la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Le général Biscotero Lingema est là, ce n'est pas à cause d'un homme. Même si quelqu'un aujourd'hui se targue le plaisir ou le pouvoir de dire c'est grâce à moi que le général Biscotero Lingema est au pouvoir. Mais je voudrais dire à ce dernier que Dieu utilise toujours quelqu'un pour élever l'autre. Dieu utilise toujours un être humain pour élever un autre. De la même façon, c'est un être humain qui détruit et qui rabaisse un autre. Donc ce n'est pas la volonté d'un être humain. C'est nous-mêmes qui avons coutume de dire que chaque peuple mérite son chef. Chaque peuple mérite son président. Nous avons mérité le président Léomba. Nous avons mérité le président Omar Bongo Ondimba. Nous avons mérité le président le président Ali Ben Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, Dieu qui est le créateur de toutes choses, le créateur de toute existence, nous envoie le président que nous méritons maintenant, le président général Biscotero Lingema. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ceux qui sont en train de vouloir boycotter la mission de Dieu, la mission que Dieu a confiée au président Biscotero Lingema, c'est leur affaire. Que chacun fasse ce qu'il sait faire. Si tu sais boycotter, vas-y boycotte. Et que ceux qui encouragent, qui sont partants pour la vérité, pour la mission, la vraie mission, du président, il le fasse également. Mais que chacun fasse ce qu'il sait faire dans l'intérêt du Gabon. Le président Biscotero Lingema n'a plus rien à prouver. Parce qu'en 11 mois, il a conquis les cœurs des Gabonais. Par les réalisations
Ne dit-on pas qu'on prouve l'amour que tu as pour ton épouse en posant des actes et non en lui disant chaque jour, chérie, chérie, je t'aime. Et c'est en posant les actes dans la vie de ton épouse, c'est en posant les actes dans la vie de l'autre que tu lui prouves combien de fois tu l'aimes. Si cet amour ne s'arrête qu'au niveau de la bouche, la personne va se décourager, la personne te traitera de menteur. Et le président général Biscoté Côté Oligui Nguema a toujours Gabonais. Qu'il les porte dans le cœur et qu'il a compris, qu'il a écouté les cris des Gabonais. Il leur a démontré qu'ils aiment les Gabonais. Donc, il a conquis le cœur des Gabonais en 11 mois. En 11 mois. Mais ma surprise est tellement grande de voir qu'il y a quand même des Gabonais. Il y a quand même des Gabonais qui disent que ce monsieur est un incompétent. Il y a quand même des Gabonais qui disent que ce monsieur est, il n'est pas à sa place, qu'il n'a rien foutu. Bon. Ça aussi, je peux le leur concéder. Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie, de liberté d'expression. Et comme il faut bien que les opinions soient différentes pour apporter l'équilibre, on accepte. Mais ceux qui croient en ce que Dieu a fait, ceux qui croient en ce que Dieu a commencé à faire, doivent rester focus sur la mission. Et vous verrez l'accomplissement et la gloire de Dieu dans notre pays. Nous avons compris que la société civile qui criait haut et fort véritablement pour le bien du Gabon, en réalité, ne le sont pas. Nous avons compris que lorsque on nous avait présenté la constitution, on nous avait présenté la forme, l'organigramme du gouvernement tout au début, il y avait moins de politiciens. Il y avait beaucoup plus d'hommes religieux, beaucoup plus d'autres pans de la société. Mais après, les politiques sont revenus en force. Et ça aussi, on peut le comprendre. Parce que le président lui-même, il a dit qu'il va travailler avec tout le monde. Il va travailler avec tout le monde. C'est pourquoi on a accepté. Mais qui sait véritablement ce qu'il pense dans sa tête? Qui sait véritablement quelle est sa véritable mission pour le Gabon? Personne. Ce que nous reprochons à ceux-là qui font la propagande du oui, ce que nous reprochons à ceux-là qui font la propagande du oui, c'est le fait de coller le oui et le non à la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est tout. Enlevez le président dans cette affaire du oui et du non. Enlevez le président dedans. Le président a déjà conquis les cœurs des Gabonais. Les Gabonais l'aiment. Il n'est pas parfait. Les Gabonais ne demandent pas. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité, la preuve. Ce sont même pas des chrétiens, ce sont des gens, des enseignants de la parole, ce sont des consacrés, ce sont des gens qui maîtrisaient la parole, des gens qui, c'est des prophètes, des apôtres. Ce sont eux qui encourageaient qu'on sacrifie Jésus. Ce sont eux qui ont c'était pas les païens. C'était pas des païens. Donc si même Jésus n'a pas fait l'unanimité auprès de ceux-là qui étaient censés le défendre, quoique Jésus avait déjà la prophétie établie qu'il devait passer par là pour sauver le monde. Mais on a quand même réalisé que ceux qui se prétendent dire chrétiens, 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 en vérité ne sont pas des véritables chrétiens. On l'a compris. Comme aujourd'hui, on comprend que, en fait, beaucoup sont là en train de faire
la cour au président général Brice Oligui-Guema pour leur propre intérêt, on l'a compris. Ça a toujours été le cas. Avec le président Ali Ben Bongo, ça a toujours été le cas. Avec l'ancien directeur de cabinet, comment il s'appelle comment? Bla. Brice Alianga. Ça a été le cas. Les gens ont fait des t-shirts, les gens ont chanté des chansons, les gens ont sorti des mouvements du blaïsme. Ce n'est pas le même Bla qui est aujourd'hui hospitalisé. Les blaïstes, les alianguistes, ils sont où aujourd'hui? Ils sont au Balango. Puisqu'ils ne produisent plus, puisqu'ils n'injectent plus du pognon, puisqu'il n'est plus, il n'est plus la mine d'or, il n'est plus la poule aux œufs d'or, on fait qu'on te met de côté. Aujourd'hui, tout le monde veut manger. Tout le monde veut manger. Et c'est normal, je peux le comprendre. Mais lorsque vous voulez manger, arrêtez de donner des mauvais conseils à notre président contre le peuple. Ça, c'est pas bien. Ça, là, c'est la sorcellerie. Manger, penser à vos familles, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais laissez le président construire le pays avec ceux-là qui veulent construire le pays avec lui. Parce qu'il y a aussi des Gabonais dignes, des Gabonais intègres qui veulent construire ce pays, qui veulent voir ce pays comme se développer comme Dubaï, qui veulent voir ce pays se développer comme le Qatar. Le Qatar n'est pas plus riche que le Gabon. Le Qatar n'est pas plus grand que le Gabon. Le Qatar est simplement mieux construit que le Gabon. Parce que ceux qui sont à la tête du Qatar sont des gens qui aiment leur pays, sont des gens qui aiment leur population. C'est tout simplement ça la différence. Et nous avons la grâce de Dieu qui nous est mis à la tête de notre pays. Le général Brice Oligui-Guema est un bâtisseur. Quelqu'un qui aime son pays. Et c'est un jeune. C'est un jeune avec plein d'avenir. C'est un militaire. Et les militaires actuellement, ce sont eux qui ont véritablement le pouvoir dans notre pays. Ceux qui sortent ici et là pour parler d'élection, attendez août 2025. Là, il est question du référendum, il est question de dire oui, parce qu'il y a une frange de la population qui est d'accord sur les articles, sur les lois qui ont été pondues dans la mer des lois, la Constitution, et d'autres qui disent non par rapport effectivement, à d'autres lois et d'autres articles qui ne conviennent pas. À partir de là, allons-y d'abord. Et laissez la campagne présidentielle, la campagne municipale et législative pour 2025. Il faut laisser ça. J'ai écouté des hommes de loi, j'ai écouté des hommes de loi dans toutes les chaînes de télévision. Et tout ce que ces gens disent est vrai. Tout ce que les hommes disent là, c'est vrai. Les femmes, les grands intellectuels là, nous autres là, moi je n'ai pas fait des cours de droit, je n'ai pas fait de longues études. Mais Dieu m'a donné quand même le discernement, Dieu m'a donné quand même la sagesse. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose, je vais sur Internet. Je clique dans Google. Ah, ce que la personne a dit là, ça veut dire quoi? Ce que la personne dit là, la loi qu'on a écrite là, je vais sur Internet, je vais chercher. Ça, au moins, le monde est tellement évolué au 21e siècle qu'avec cette technologie, on ne peut plus véritablement être un ignorant. Donc, on va toujours fouiller. Mais tout ce que les uns et les autres ont dit est vrai. C'est pourquoi je viens dire aux uns et aux autres que si le oui l'emporte, ben c'est tant mieux. Ainsi va la vie, c'est la loi. Et si le non l'emporte également, c'est tant mieux. Les gens qui s'occupent de ces choses-là repartiront sur la table, ils vont réécrire d'une autre manière. Mais, que ce soit le oui ou non, nous devons beaucoup plus nous inquiéter de celui qui a la tête. Parce que quand c'est le oui ou le non, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous avons vu notre constitution violée. Donc, si tant est-il qu'on a donné trop de pouvoir
à la fonction de président de la République. Mais si ce n'est le président Brice Clotaire Oligema lui-même actuellement, d'accord, qui est nommé président demain, il est en mesure de dire, de convoquer, vous qui connaissez les procédures, les process, de le convoquer à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, et dire que, bon, écoutez, moi, cette loi-là ne me convient pas. N'est-ce pas que c'est lui le premier qui a dit, lorsqu'il a pris le pouvoir, le 30 août 2023, que je renonce au salaire de président? Est-ce que vous avez vu un seul membre du gouvernement venir faire comme lui? Non, mais enfin, je vous pose la question. C'est lui qui a... Il est le seul qui avait dit qu'il renonce à la fonction, au salaire de président de la République. Donc, il vient donc me dire, oh, mais c'est normal, il avait déjà beaucoup d'affaires, il avait déjà beaucoup de business, il avait déjà beaucoup d'argent, il a travaillé longtemps auprès de Omar Bongo. Bah, c'est toujours des raisons. Mais on ne veut pas regarder à l'intégrité, à la valeur de l'homme au travers de ses actions, au travers de ses décisions. Non. On veut toujours trouver des raisons. Mais quand lui, il a fait ça, pourquoi est-ce qu'un seul membre là, un seul membre du gouvernement n'est pas venu dire, bon, moi, j'étais au chômage, je faisais mes petites affaires, aujourd'hui, on m'a nommé sénateur, les 1 500 000 qu'on donne au sénateur, là, moi, je ne prends pas ça, j'ai mes petites activités là-bas qui rentrent. Pourquoi un député n'a pas dit que, bon, moi, j'étais également chez moi, je faisais mes petites plantations, j'ai ma petite retraite en tant que fonctionnaire, bon, le 1 million, je ne sais pas trop, 900 000 qu'on donne, comme on donne en tant que député, je ne prends pas ça. Mais parce qu'à un moment donné, chacun sait ce qu'il est, chacun sait pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas. Il y en a qui ont véritablement besoin de cet argent. Il faut se le dire, c'est pas mauvais. Tout travail mérite salaire. Donc quand quelqu'un prend une telle décision de dire que je renonce au salaire de président, il faut à un moment donné s'asseoir et regarder le type, commencer à additionner et dire, ah, il y a quand même quelque chose de bien dans cette personne. Ce n'est pas tant la constitution. Moi, je m'inquiète beaucoup plus pour l'individu. Parce que quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, l'homme, au niveau de la fonction présidentielle, reste corruptible. L'homme, en général, même est corruptible. Parce que même... dans les petites caisses, dans les caissières des banques, les caissières des magasins, partout ailleurs. C'est la corruption. Il prend aujourd'hui de l'ampleur. C'est l'homme. Moi, c'est l'homme qui m'inquiète. C'est pas tant les lois. Les lois ont toujours été là. Mais les hommes ne les appliquent pas. Les lois ont toujours été là, mais les hommes ne les appliquent pas. Est-ce que les Gabonais, quand on vous voit tous les dimanches à l'église, là, remplir les églises avec vos beaux costumes, vos belles robes, venir à l'église avec vos grands VX, est-ce que vous craignez véritablement Dieu? C'est ça la question. Est-ce que vous criez véritablement Dieu? Parce que faites le tour les dimanches, vous allez voir. Dès 5h30, tous y vont. Les voleurs sont là-bas, les corrompus, les criminels, tout le monde se retrouve les dimanches à l'église. Pour aller faire quoi? La preuve aujourd'hui, eux-mêmes, Ils ont monté une cabale contre l'Église. On ne peut pas regarder cette cabale contre les pasteurs, contre l'Église en ce moment, qui se déroule là, aux yeux aussi de tout le monde. Pourquoi? C'est fait à dessein. Il faut discerner, il faut sortir de l'Église les faux chrétiens. Il faut sortir de l'église les mi-figues mi-raisins. Il faut sortir de l'église les chrétiens qui vont à l'église à cause des pasteurs. Ce sont ceux-là qui sont en train de repartir, soi-disant, aller à la recherche de leurs ancêtres.
Vos ancêtres ont déjà fait quoi pour vous pendant que vous êtes dans la, dans la pendant que vous êtes souffreteux, vos ancêtres sont où? Pendant que vous êtes souffreteux, que font vos ancêtres? Quand je vois cette cabale contre l'église du Gabon, quand je vois cette cabale contre les pasteurs, je rigole. Je rigole. Je rigole. Je dis, mais vous ne savez pas. Vous ne savez véritablement pas qui vous combattez. Vous pouvez combattre Dieu. Vous pouvez combattre son église. L'église de Dieu n'est pas le pasteur. L'église de Dieu n'est pas les quatre murs. L'église de Dieu, c'est toi, je te l'annonce. L'église de Dieu, c'est toi. Si un incongru, si un inconverti, si un ange du diable arrive à te convaincre que dans ta souffrance, c'est ton ancêtre que tu n'as même pas connu, que tu n'as même pas connu, qui peut venir te sortir de là, mon frère, c'est que tu ne connais pas le pouvoir de Dieu dans ta vie. Oui, Yannick Meyango, lui-même il le dit dans la parole, qui vient siéger au milieu de nous. Mais lorsque tu es passé par le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu es passé par le baptême du Saint-Esprit, l'air, l'eau et le feu, mon frère, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'une église, bâtiment. C'est l'œuvre de Dieu lui-même, God. Parce que la finalité, c'est comme c'est écrit dans sa parole, qu'il ne nous donne pas la paix que le monde nous donne. La paix que le monde nous donne, c'est parce que quelqu'un a l'argent, il pense qu'il est en paix. C'est parce que quelqu'un a une grosse voiture, il pense qu'il est en paix. C'est parce que quelqu'un couche plus de multiples femmes, qu'il a beaucoup d'enfants, beaucoup de... il pense qu'il est en paix. C'est pas la paix. La paix que Dieu donne, c'est quand tu te retrouves dans ta souffrance, dans ta galère, mais tu as un bonheur, tu as une joie inexplicable. Quand bien même ceux qui te voient viennent te poser la question, comment c'est pas possible? Comment tu vis une vie, tu vis une telle vie de souffreteux, mais tu es heureux, tu es épanoui. C'est Dieu qui fait ça. Le bien matériel ne donne pas la paix. Le bien matériel ne donne pas le bonheur. Détrompez-vous. Sinon, ceux qui sont multimilliardaires ne mourrez pas. Sinon, ceux qui sont multimilliardaires, lorsqu'ils arrivent au dernier jour de leur souffle, ne demanderaient pas ce qu'un pasteur ou qu'un homme de Dieu vienne prier pour eux. Tout ce qu'on voit tous les jours, là, le combat contre l'église, le combat contre les pasteurs, ce n'est que de la distraction. Pourquoi on ne se concentre pas sur l'essentiel, l'essentiel qui est de changer notre pays, l'essentiel qui est de former des gens à changer notre pays. Ne donnez pas foi à des églises. Ne donnez pas foi à vos pasteurs. Donnez foi à Dieu. Sinon, vous allez toujours être déçu par un homme. Sinon, vous allez toujours être déçu par les bâtiments. Sinon, vous allez toujours être déçu par les dénominations de chaque église. Frère, bien-aimé, Gabonais, Dieu nous a bénis en mettant à notre tête le président général Brice Kotero Oligingema. Nous devons prier pour lui. Nous devons le protéger. Nous devons le protéger. Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour notre pays. La constitution qui a été écrite, bonne ou mauvaise, il y aura toujours une constitution qui ne plaira pas à tout le monde. La preuve, je ne connais pas la constitution de Dubaï. Mais nous tous, nous allons à Dubaï. Pour la plupart des gens qui sont allés à Dubaï, vous savez comment les Arabes gèrent leur pays. Les étrangers ont la seconde place à Dubaï. Vous le savez. Mais personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Mais pourtant, des Gabonais vivent là-bas. Des compatriotes vivent là-bas à Dubaï. Il faut leur poser la question. Les Émiratis sont au sommet de leur pays. Ils ne permettent pas qu'un homme émirat soit à leur niveau. Déjà, quand tu es à Dubaï, lorsque tu as lorsque tu as la chance de les croiser,
ils sont que entre eux dans leur boubou blanc. Tu ne trouveras pas un intrus au milieu d'eux. Nous savons que tous ceux qui ont des affaires là-bas passent forcément par eux, passent forcément par un émirati pour avoir les documents, pour avoir la possibilité d'ouvrir son magasin. En un mot, ils travaillent pour eux. Mais pourtant, nous apprécions Dubaï. Nous apprécions ces pays-là. Et tous les pays ont des articles qui sécurisent leur population, qui sécurisent leurs biens, qui sécurisent leurs terres. Tous les pays. Mais quand on essaie d'écrire quelque chose dans l'intérêt du Gabon et des Gabonais, nous-mêmes Gabonais, 100%, on dit ce n'est pas bien. On dit ce n'est pas bien. D'accord? Et donc moi je venais simplement dire aux gens qu'on a compris ça. Et quand on a compris ça, nous avons la responsabilité de, d'une manière ou d'une autre, de protéger celui que Dieu nous a donné en ce moment-là. Notre président, le général Brice Oligui-Nguema, nous devons nous protéger. Nous devons prier pour lui, nous devons prier pour sa famille et nous devons prier pour notre pays. Parce que les perfides trompeurs, ils sont plus nombreux que nous l'imaginait. Les gens qui ne pensent qu'au VX, les gens qui ne pensent à construire des châteaux. Des châteaux. Les gens qui ne pensent qu'à à chasser les propriétaires des terres dans leurs terres. Ils sont nombreux. Et c'est comme ça, c'est bien. C'est pourquoi moi, mon inquiétude se porte beaucoup plus en la personne qui vient au pouvoir, en fait. Parce que même dans notre village, nous, Bantous, le chef du village a tous les pouvoirs. Si le chef du village, c'est parce que c'est lui qui a le pouvoir mystique. Si le chef du village, c'est parce que il a la bonne connaissance économique, sociale et politique de l'environnement. Du moins, si vous avez d'autres arguments pour le chef du village, moi qui ai grandi au village, c'est ce que je sais. On n'est pas chef d'un village qui veut. Le chef du village a tous les attributs. Il a tout le pouvoir. Donc, si aujourd'hui, notre village de Gabon, on estime qu'on faut donner tout le pouvoir au président, donnons-lui tout le pouvoir, ce n'est pas lui le problème. À un moment donné, tout ce pouvoir peut être positif, comme tout ce pouvoir peut également être négatif. C'est tout. C'est l'homme. Le même couteau avec lequel nos épouses nous coupent la viande, la queue à la cuisine, là. C'est le même couteau qu'on utilise pour les crimes. Vous voyez, la constitution a le même sens. Si Dieu permet que notre président soit un bon président, un président au bon cœur, un président qui aime sa population, un bâtisseur, eh bien, il ne va pas utiliser les pouvoirs qui lui sont attribués pour mater les Gabonais, pour séparer les Gabonais. Non. Maintenant, quand un mafieux aussi vient prendre le pouvoir, mais vous vous attendez à quoi? C'est pas mauvais d'avoir tous les pouvoirs. C'est pas le pouvoir, c'est pas les articles, c'est pas les lois le problème. Le problème sont les individus qui utilisent ces lois-là. Ce sont les individus qui changent ces lois-là. Ce sont les individus qui contournent ces lois-là. Prions pour notre pays. Prions pour notre président. Et que chacun fasse sa part. Que ceux qui votent le oui, votent le oui. Que ceux qui votent le non, votent le non. On n'a pas besoin de se bagarrer pour ça. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est qu'on mette notre président au milieu de ça. Non. Nous ne sommes pas encore aux élections présidentielles. Et quand on sera aussi aux élections présidentielles, quand le temps sera venu pour les élections présidentielles, nous autres là, on va lui demander d'enlever l'armure. On va lui demander d'enlever le treillis. Parce que dorénavant, nous,
Moi, c'est mon candidat. Je vais le voter. Parce que tous ceux qui sont là, je les connais. Je suis déjà dépassé 50 ans. Donc, je connais tous ceux qui sont là. Je les connais. L'autre qui va dire qu'il va maintenant rentrer dans, l'autre qui a dit qu'il va rentrer dans les quartiers, maintenant, les quartiers, pour aller parler de ce que lui connaît mieux du Gabon. Tu vas venir me dire quoi? Je t'écoute par respect. Parce que je n'ai pas envie d'être celui que je ne suis pas. Mais par respect, on écoute. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des imbéciles, que nous ne savons pas ce que vous avez fait. Enfin, ils sont nombreux là. Mais c'est parce que d'abord, notre président a dit, je ne mettrai personne en prison. Notre président a dit, je veux travailler avec tout le monde. C'est lui le guide, c'est lui le leader. Et on le suit. Et le temps convenable viendra où nous allons passer aux élections présidentielles. À ce moment, on pourra régler des comptes. Mais pour l'instant, pour l'heure, la transition se déroule bien. La transition se déroule bien. Il y a quelques couacs ici et là, c'est normal. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais au fur et à mesure, comme on le dit dans les notes de bulletin, peut mieux faire. Peut mieux faire. Et il le fera. Parce qu'actuellement, il s'agit du CTRI. Même si le président Brice Côté-Oligama est à la tête, mais de nombreuses personnes semblent oublier que c'est le CTRI qui l'a porté à la tête. Le CTRI a porté le général Brice Côté-Oligama à la tête. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça? Ça veut dire que lorsque tu vas épouser une femme et que tu n'as pas été capable de payer la dette, la dot, l'ensemble de ta dot, mais qu'est-ce qu'on dit aux parents? On dit aux parents, attrapez-moi les mains, mais libérez-moi les pieds afin que j'aille chercher et pour vous ramener. Donc il répond également au CTRI. Ça aussi, on doit pouvoir le comprendre. Quand vous avez fait que ce qu'ils ont fait là, un coup de libération, vous l'avez fait en groupe, vous l'avez fait dans une team. Après, vous vous asseyez, vous dites, bon, c'est toi qui va gérer, nous autres là, on est là, on te regarde, on t'observe. Mais attention, il faut toujours venir nous reporter, parce que nous également, on a un mot à dire, parce que nous étions tous ensemble. Aka, est-ce que ça là, on a besoin de vous expliquer ça? Donc parfois, il faut comprendre. Il faut comprendre ces choses-là. Vous êtes plus sages, vous êtes des intellectuels, vous êtes des intelligences, vous êtes des hommes éclairés. Vous êtes des hommes de lumière. C'est vous-même qui avez dit que la bouche qui sait ne parle pas. Donc, moi, je vous exhorte. J'exhorte les uns les autres à prier pour le président de la République. Parce qu'il y a des attaques qui viennent de partout. Même ceux qui disent l'aimer, là, il y a des attaques qui viennent de partout. Nous n'avons que la prière. Nous n'avons que la prière. Et je crois en cette parole de Dieu qui dit que la prière du juste, elle monte et Dieu l'accomplit. Donc si nous sommes 10, 20, 30, même simplement 10 justes, même 2 justes, 2 justes dans le Gabon là, ce que Dieu a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous souhaite un très bon après-midi de vendredi. Il pleut de là où je suis. Je pense qu'il pleut quelque part également. Je suis autorité Fabrice Omande, membre de l'association du mouvement Plus Jamais Ça, PJC. À la tête de ce mouvement, je salue avec honneur et respect le président de ce mouvement, M. Fortuné Edou. Je suis également fils du pasteur prophète Georges Binong aussi, et n'en déplaise à qui que ce soit. C'est avec honneur et respect que je salue ce monsieur, que je salue également son épouse, et que je salue toute la famille, l'Église internationale de Nazareth, du Gabon et de partout ailleurs dans le monde.
Que Dieu vous bénisse. Bye bye.